هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. Les panels du média LCTV. La question est pour vous, coach Limoges. Jusqu'à présent, bilan sportif, plus ou moins, et ça c'est l'avis du public et aussi de la presse marocaine, ah, négatif par rapport à la finale qui a été perdue sur le but contre le RMI, et aussi par rapport aux résultats plus ou moins négatifs au championnat marocain. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec les efforts qui ont été faits par le comité directeur, avec les recrutements, etc., est-ce que vous savez que le Raja est un club de type? Le Raja est en train de jouer sur le plan de la Champions League, ici sur le championnat, le Raja c'est un club de type. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez promettre aux fans du Raja que vous allez partir jusqu'au bout par rapport à la Champions League, ce titre qui manque au club depuis 1990. Je pense que chaque match, moi je ne me projette pas, je viens de répondre à la question, promettre les choses que je ne sais pas dire, je ne peux pas. Je sais faire des bêtises. Par contre, je peux dire qu'on fait le maximum pour gagner le maximum de matchs. Et la Champions League qui est importante, tu dois avoir un contexte quand même. Et retenez, il y a une liste de la CAF de 40 joueurs qu'on fait en début d'année. Malheureusement pour nous, l'ancienne direction a rempli 32 cases. Ah ben dans les 40 joueurs, je peux en mettre, si je me rappelle bien, 24. Ça veut dire que mon noyau, il est... Merci. En défense, j'ai 3 défenseurs. Je vous le dis, je vous le vends, comme c'est la vérité. D'accord ? C'est pas du tout une excuse, parce qu'on va aller pour gagner tous les matchs. Parce qu'il y a un intérêt financier, il y a un intérêt sportif. C'est le but de tout le monde. Sinon, là, je ne serai pas là. Je promets des choses que je ne sais pas faire. Non. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.